su rivaliser avec pas mal de bonnes équipes de Ligue 1. Pour ma part, on n'a jamais été dépassé lors des matchs. On a toujours su tenir tête et voilà, on s'est créé pas mal d'occasions, mais on a été en manque de réussite. On a encaissé aussi pas mal de buts. C'est le manque de réussite en fait dans nos deux zones. Mais sinon, dans le jeu, on a su mettre en place ce qu'on sait faire. Et vu que l'équipe a pas mal évolué, a pas mal changé, voilà, fallait que tout se mette en place. Et je pense que pour la suite, ça va le faire, je suis assez confiant. Quand on passe en Ligue 1, il y a tout qui change, même au niveau médiatique. Forcément, le haut niveau, ça attire plus de supporters, plus de monde qui a envie de voir. Et c'est vrai que c'est un autre monde, on va dire. On a vu notamment avec Paris, ils ont fait ramener Messi. La Ligue 1, elle est un peu plus attractive aujourd'hui comparé à avant lorsque j'étais à Strasbourg. Et oui, le niveau, il a pas mal augmenté. La différence, c'est au niveau de l'efficacité. C'est un peu plus technique et au niveau tactique aussi, c'est un peu plus rodé. Il y a plus d'intensité, il y a plus de rythme, il y a plus de vitesse, c'est plus physique. Après, forcément, si on n'est pas prêt, on en paye les conséquences. Après, malheureusement, on n'a pas eu de chance là-dessus, on a eu pas mal de blessés. Mais bon, c'est le football qui est comme ça. Et j'espère que ça va tourner, on va récupérer tout le monde petit à petit et que tout le monde sera prêt pour tout donner et tirer l'équipe vers le haut. C'était la deuxième fois. J'avais déjà porté au Havre en Ligue 2. J'ai un rôle, même si je n'ai pas le brassard, j'ai un rôle à jouer sur et en dehors du terrain. Et voilà, après le brassard c'est un plus, mais j'y prête pas attention. Nice, on sait que c'est un gros du championnat. Ils ont un bon coach, ils ont des bons joueurs, ils ont fait un bon recrutement. Après, nous, en tant que joueurs, c'est ce genre de match où la motivation, je ne m'en fais pas dessus, elle sera à 200%. Et puis voilà, c'est le genre de match qu'on aimerait jouer et tout donner, et pourquoi pas créer la surprise.